je replace un petit peu pour ton personnage. Ouais, j'avais un petit peu oublié où on était. Il n'y a pas de souci. Toi, tu avais fini d'interroger le mec et c'était sale. Ah oui, oui. Et vous okay. aviez laissé ce pauvre résidu de corps, je ne sais pas trop comment appeler ça. Cette pulpe. dans le quartier, justement, du gang, enfin, du clan rival, pour passer un message. Quoi. Je ne crois pas que c'est toi qui l'avais fait. Non, non. Quelqu'un, non, je crois que Lucas avait dû payer des péons pour le faire. Voilà, histoire de ne pas trimballer un cadavre dans sa voiture. Et du coup, bah, t'étais rentré chez toi, douché de tout ça, parce que faut pas déconner, quoi. C'était un peu sale, quoi. Et bah, toute la nuit éveillé, plus le... Quoi que toi, t'avais eu un petit moment de repos. T'avais dormi à un moment donné chez la salle de Lucas, tu t'avais pu te reposer. Juste. Et, entre deux glaces. Entre deux glaces. Et tu penses clairement que Lucas et Astrid, donc la copine de Lucas, il s'est passé des choses dans la chambre, clairement. J'avais entendu, mais là, enfin, vu qu'on est en duo, tu vois, je te le dis clairement, Caro, il se doute, quoi. Ouais. Il se doute que normalement, on fait passer de l'endormi, quoi. Ouais. Ouais, d'où le fait que j'avais demandé à Lucas d'attendre de oui, m'attendre. Voilà. Exactement, c'est, je m'en souviens aussi. Hein, qu'il avait retrouvé en bas du bâtiment pour éviter qu'il nous sait. Donc, du coup, je te propose de jouer une scène dans le matin. Peut-être que tu t'as redormi quelques heures, donc t'es plutôt frais. Mm-hmm. Et du coup, c'est Lucia qui te demande si elle peut venir te chercher pour un entraînement à la salle de boxe, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, elle a vraiment besoin d'évacuer et de se sentir en sécurité. Donc, qui dit sécurité, mm-hmm. dit Carlo. Ouais, bien sûr, pas de soucis. Et bah, du coup, elle te dit qu'elle arrive en voiture d'ici une demi-heure, parce que je pense qu'au bout d'un moment, vous avez peut-être dit l'un ou l'autre où vous étiez. Parce que toi, tu sais où elle habite, mais je pense que vraiment, tu as peut-être dit où tu vis. Ouais, bon. C'est comme tu veux, sinon elle venait te chercher à un autre endroit, un café. Ouais, non, il n'y a pas de raison que je cache ça. D'accord. Donc, c'est bien sa voiture qui arrive, mais tu vois qu'elle est conduite par un mec. Et qu'il y a un autre mec aussi dedans, c'est des gars du clan, quoi, tu les as déjà vus, qui font des mecs. Okay. Plutôt des mecs du père, quoi. Ils ont sûrement dû lui laisser parce que tout ce qui se passe, c'est chaud, quoi. Ok. Bah, du coup, elle sort, elle t'accueille, contente de te voir. Tu vois qu'elle a repris un peu des couleurs et qu'elle est un peu moins terrifiée que la veille. Mm-hmm. Car oui, j'ai de bonnes nouvelles, Carmen va mieux, elle s'en est sortie. Super. C'est bien. Ah, c'est rassurant. Et qui t'as eu des nouvelles de la part de qui? De ma tante. Ah, ok. C'est bon à savoir. Bah, du coup, vous partez en voiture. Ah, et, parce que moi, non, mais c'est pas bien, je commence à rigoler parce que chez les comics que j'ai prévu, c'est pas bien. Oui, je me doute que tout va pas se passer comme prévu, non. Tout ça. C'était juste un petit rendez-vous à la boxe. Voilà. Et en gros, donc elle est dans la voiture, amène-nous à la salle de boxe, elle demande au mec qui conduit. Et les deux, ils ont un petit rire, tu vois, ils échangent un petit rire et tout. Et il y en a un qui lui dit, tu préfères pas aller à la salle de danse? Bon, je vais... Pour le coup, je vais laisser pisser. D'accord. De toute façon, ton perso, il a suffisamment calme pour pas monter sur ses grands chevaux. Il me semble que t'as 4. Voilà. C'est la petite pique, tu vois. Mm-hmm. Et tu vois que le chat, clairement, elle le digère pas. Et il fait arrête la voiture. Hyper sec. Ok. Le gars, il arrête la voiture. Et il fait descend. Genre, la maîtresse donne des ordres, tu vois, pas descend s'il te plaît, c'est hyper sec et tout, quoi. Toi, ton perso, Carlo, comment il la regarde, comment il réagit par rapport à ça, Il la regarde avec un petit côté fier, et il attend de voir si le mec s'exécute. Bah, du coup, le gars, il descend, tu vois, il se retrouve un peu con, tu vois, il descend de la voiture, et elle te regarde et fait, bon, Carlo, ce serait peut-être bien de lui rappeler qu'on a un cours de boxe. Ouais.
Mais attends, c'est qui est descendu? C'est le mec qui conduisait? Ouais, ou c'est le mec qui conduisait qui avait dit tu peux pas plutôt aller à un cours de danse. Ok. C'est qu'elle a fait descendre. Ok. Alors. Attends, elle veut que je lui colle des beignes, quoi. Je pense que je pense que c'est sous-entendu, tu vois. Je la regarde un peu. T'es sûr? Enfin, tu veux vraiment que... C'est un mec du clan, quand même. Elle l'argumente pas plus, elle te fait oui de la tête en souriant, tu vois. Bon, bah, du coup, je descends, je toise le mec, enfin, j'imagine, parce que je suis censé être baraque. Ah ouais, clairement, bah, du coup, oui, c'est pas trop, tu vois, parce que il est sorti, il a entendu un truc, il est pas sûr. Non, mais je disais ça pour rigoler, moi je conduis où vous me dites, hein, il essaie de sauver sa peau, tu vois. Il sent que ça va se passer. Bah, je lui en colle une, mais une pas trop forte, quoi, juste pour lui faire la leçon. Plus pour faire du bruit que vraiment pour faire mal. Et je lui dis tout bas, bon, je vais pas aller plus loin. Et un peu plus fort, je lui dis, oublie pas à qui tu parles. Et du coup, il s'excuse et tout. Enfin, il crache un peu, tu vois, et il s'excuse. Voilà. Il regarde le sol, il te regarde plus dans les yeux. Du coup, je me penche vers la vitre de la voiture et je regarde Lucia pour voir ce qu'elle, enfin, si elle dit quelque chose, si elle fait un geste. Ouais, elle te fait un geste de revenir et à l'autre poupe aussi. Puis du coup, okay. Une fois que tout le monde est revenu dans la voiture, elle dit mets-nous un peu de musique, un truc qui donne envie de danser. Elle troll. Donc, ouais, du coup, le gars, il s'exécute, tu vois, mais il la ramène pas, quoi. Ouais. Et, bah, du coup, finissez par arriver à la salle de sport, hein, c'est pas non plus très, très loin, quoi. C'est un truc du quartier. Mm-hmm. Et, bah, du coup, j'ai préparé une petite scène pour la salle. Voilà. Tac. C'est bon, y a pas de... Ok. Ah oh, putain, je rigole trop sur ce personnage, j'aime bien en fait. du coup, bah, je pense que les cours c'est plus ce soir, tu vois, à la limite, vu que c'est la salle un peu. Il y a personne, quoi, vous avez un peu la petite réservée, tu sais pas, après, il y a pas forcément toujours du monde dans la salle, surtout le matin, quoi. Ok. Ouais. Donc, du coup, les gars ils vont rester dehors pour surveiller, puis vous êtes tranquille à l'intérieur, quoi. Elle fait péter le mini short, tout ça, quoi. Puis mais elle est sérieuse, tu vois, elle a vraiment une tenue pour faire de la boxe. Tu sens qu'elle est pas là, pour rigoler avec toi, en fait. Tu sens qu'elle a vraiment une réelle envie d'apprendre la boxe, quoi. Donc, ouais, c'est ouais. Un truc que t'avais déjà ressenti au début, dans le premier cours, même si elle avait un peu galéré, quoi. Mm-hmm. Bah, du coup, je pense que si tu veux lui faire un petit cours, tu peux faire un geste, si tu veux, pour essayer de vraiment lui apprendre des trucs. Ouais. Ça va être présence pour enseigner et avec bagarre. Et t'as des spécialités ça... boxe qui fonctionnent aussi. Donc ça te fait. Ça me fait 8 plus 1 pour la boxe, c'est ouais, ça ouais. Ok, donc 9. Parce que là, c'est pas vraiment taper, tu vois, c'est vraiment enseigner, donc ça se fait avec présence. Ouais, ok. 9 des 10. 1, 2, ok, tu peux rejeter le 10. C'est vrai que j'ai pas une commande pour relancer 10, toi, tu vois, je connais pas assez bien. Ouais, bon. Bon. Deux succès, c'est suffisant, ouais. En plus, elle est plutôt assidue, donc. Puis bon, vu qu'elle fait la danse et tout, le côté que la cardio et tout, ça va. La souplesse aussi, ça va être plus, entre guillemets, qu'elle va jeter sa jambe un peu de façon élégante, alors qu'en fait, toi, tu expliques, il faut vraiment tourner, rotationner pour avec la force, quoi, pas faire la pirouette, quoi. Mm-hmm. Enfin, après, la boxe, c'est plus les points, mais même au niveau du mouvement de hanche, quoi, c'est pas encore ça, quoi. Je vais peut-être aussi bon, j'imagine qu'on peut partir du principe que Carlo il a pas mal d'expérience en combat, donc il connaît peut-être pas juste la boxe mais des trucs un petit peu à gauche à droite. Oui, donc oui. Peut-être lui expliquer 2-3 trucs de Krav Maga ou quoi, genre parce que la boxe c'est il faut vraiment de la force, alors que bon, elle est quand même un peu frêle. Et le Krav Maga, c'est un truc où t'as pas vraiment besoin de force tant que tu sais où tu frappes.
D'accord. Bah du coup, les coûts aussi. Si tu veux, après, tu pourras monter avec ton XP, acheter l'atout, si tu veux, pour avoir les techniques. Je te passe. Ah, ouais. Il existe, ils l'ont fait dans le monde des ténèbres. Ah, cool. Supplément. Donc je pourrais te le passer, il y a des techniques. Ah ouais, ça m'intéresse. Et bah du coup, là, ouais, il y a Assidu, elle essaye de te faire tomber. Donc, après, à toi de voir si tu tombes exprès pour montrer qu'elle a bien compris la prise ou pas. Tu vois, est-ce que tu restes un peu dans... Bah, disons, ouais, on va dire que je me laisse un petit peu tomber, mais pas exagérément, mais voilà. En partant du principe que je suis un mec très baraque et que peut-être que sur un mec une corpulence un peu plus normale, ça passerait. Ouais. Ok, ça marche. Bon, entre un peu les exercices, vous reprenez un peu votre souffle, tout ça, et tu poses un peu des questions. Qu'est-ce que tu penses de ce qui va se passer après la mort du Don? Est-ce que tu penses que le clan va tenir, qu'il va s'éclater, surtout avec ce qui s'est passé hier soir? Bah, j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que des choses comme ce qui s'est passé hier soir, c'est plutôt des choses qui vont resserrer le clan et plutôt nous unir contre un ennemi commun. Donc pour moi, c'est totalement stupide de la part de... C'est la famille comment Je crois que je l'avais écrit dans le... Je vais te le remettre. Sento Capelli, je crois. C'est peut-être inversé. Ah oui, Sento Capelli, c'est ça. Pour moi, ils sont vraiment stupides parce que au lieu de nous diviser, ils font que nous resserrer. Ouais, la clé, c'est plutôt d'accord avec ce que tu dis. Effectivement. Par contre, effectivement, ce qui est vraiment. Politique interne qui va reprendre le pouvoir, etc. Ça, je sais pas trop. Je dois avouer que je connais pas très bien toute la famille, toutes les branches, et je saurais même pas dire aujourd'hui qui aurait la volonté de reprendre la place du Don. Ouais, clairement, ne pas savoir non plus. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu flous. Il n'y en a aucun qui s'est affirmé pour l'instant pour reprendre. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui viendra assez vite pour éviter que... À mon avis, ouais. À mon avis, ça va venir surtout si la famille se resserre contre les attaques qu'on subit. Je pense que naturellement, il va y avoir quelqu'un qui va émerger. Enfin... C'est la pression que j'ai, mais seul l'avenir nous le dira. Mmh. Mais bon, toi, tu resteras toujours avec nous quand il arrive. Bah oui, bien sûr. Bon, du coup, il est content, il a fait un petit coup de poing dans l'épaule amical. vous discutez encore un petit peu, et en fait, il y a quelqu'un qui arrive dans la salle de sport. Je pense... Donc vous n'aviez pas regardé les photos de son ordi, mais t'en avais entendu parler de Diana, une amie à Lucha. Peut-être que tu l'as peut-être déjà vue de vue il y a longtemps, ou toi c'est l'amie de Bondad, peut-être après. Ok, donc, je la situe. Ouais, voilà, tu la situes, donc Lucha, tu vois, vraiment, peu gamine, tu vois, genre elle saute, tu vois, elle dit, ouais, Diana, c'est là, tu vois, putain. Qu'est-ce que c'est ? Et. Bah, du coup, elle te présente Carlo, je te présente Diana, mon amie. Elle aussi, elle fait des sports de combat. Je me suis dit que ça pourrait être sympa si elle pouvait venir. En plus, elle n'est pas là très longtemps en Italie. Elle va repartir la semaine prochaine. Donc, du coup, je révèle parce que j'ai préparé des trucs. Des révélations. Donc, Diana, tu vois, c'est... Ok. C'est la fille qui rigole pas non plus, tu vois. Ouais, ouais. T'as petit gabarit et t'as le gabarit... au-dessus. Moi, tu vois clairement comme elle se regarde, il y a quelque chose, quoi. Parce que toi, tu commences un peu à comprendre Lucha, donc tu sens que c'est pas juste une amie, quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a vraiment une place importante pour Lucha, quoi. Ok. Bah, du coup, Diana, tu regardes un petit peu, tu vois, le jauge du fight, tu vois. Pour voir qu'est-ce que tu fais comme fight, tout ça. Elle regarde un peu ta carrure, comment tu tiens, tout ça, quoi. Mm-hmm. Et du coup, il est passé par le vestiaire, hein, donc elle a déjà sa petite tenue de fight. Ouais. Tu sens qu'elle a envie de te provoquer, mais pour l'instant, elle fait rien, tu vois. Qu'à un moment donné, ça peut passer sur le ring, même pas forcément pour
pour chercher qui est le meilleur et tout, mais tu vois, le côté un peu... putain, il y a un mec en face qui vaut la peine de... Tu vois, il y a ta réputation aussi sûrement de, que Lucha a fait qui te précède, quoi. Ouais, ouais. Et en plus, elle en rajoute Lucha, ouais, Carlo, il m'apprend plein de choses et tout, et du coup, Diana, elle est un peu jalouse, tu vois, ouais, qu'est-ce que tu lui as appris ouais, c'est... Du coup, elle est plutôt contente que tu aies appris des, entre guillemets, des prises plus que des, de la force brute. Mm-hmm. Bah, du coup, elle tente le coup. Peut-être que tu pourrais lui montrer clairement comment canaliser quelqu'un sur un ring. Bah écoute, pourquoi pas. Elle s'est échauffée, tout ça, elle met ses protections. Elle est pas dans l'esprit de... Tu sens pas qu'elle est dans l'esprit de te défoncer, mais plutôt d'être un peu dans la démonstration par rapport à Lucha, tu vois, lui montrer aussi que, qu'elle peut lui demander à elle, tu vois, un peu ce côté-là de rivalité quoi, qu'il y a entre vous, quoi. Que, ouais, malgré ouais. toi, hein, complètement malgré toi, quoi. Ouais. Ok. Donc vous montez sur le ring, tu fais un petit jeu d'initiative. Poupou, initiative, tout. C'est un D10 plus... alors toi, tu as combien? Attends, initiative, est-ce que c'est... Je sais, tu l'as. Initiative. Ah oui, juste 7. Ouais. Donc un D10 plus 7. Ouais. Écoute, je vais me baser un peu sur tes stats aussi. C'est bon. Je vais lui faire plus 6. Non. Bon, bah écoute, j'ai envie de dire, heureusement que j'ai choisi de lui enlever un point. Donc tu commences ta initiative. Ouf. Elle va plutôt être en défense active un peu pour te jauger. Je vais tenter le coup au corps. Perte de la prochaine action de l'adversaire si succès au jet d'attaque supérieur ou égaux à sa taille. Ouais, elle a une taille de 5. Ok. Donc, faut que tu fasses 5 ou plus. Ce qui est possible avec 11 dés, attention. Attends, elle a sa défense, attends. On ne lance pas tout de suite. Ouais. Je vais la calculer à partir de ta fiche. Je vais regarder, toi, tu dois avoir 3 ou 2 en défense, t'as 3. Elle, si elle en esquive, ça veut dire qu'elle double. Donc elle a moins 6 dés. Ok. Enfin, elle bouge bien, quoi. Ok, ok. Et tu avais dit, c'était quoi? C'était c'était Brawl plus... Strength, Force. Strength, ouais, donc ça fait 10, plus P, 11, donc voilà, 11, plus 10. Plus le bonus de bagarre, de boxe. Ouais, donc 11, c'est ça. 6. Ouais. 11, moins 6. Ouais, c'est badass, hein, moins 6, hein, c'est... Attends, non, j'ai 11 moins 6, j'ai pas bien compris. Parce qu'en fait, toi, t'as ton groupement total, ok, ouais. Tu vas enlever la défense de ton groupement. Ah oui, oui, juste. Et okay. Elle a 3 de base, que je multiplie par 2, puisqu'elle est en esquive totale. Justement, parce qu'elle veut faire cette technique de Krav Maga, où okay. Si tu rates ton action, et ben, elle peut contre-attaquer. Donc 11 moins 6, c'est 11... Bon, ça fait 5 dés, donc, c'est ça? Oui. Ok. C'est parce que des fois il y a le nombre de dés plus un chiffre fixe comme pour l'initiative. Ah, oui, donc, non, c'était un dé en moins en fait. Ok. Ouais. Donc 5 des 10. Hop. Et ben, tu le touches, tu lui fais un contendant. Parce que, après, c'est pas vraiment un contendant parce que vous êtes au grand, tout ça quoi. Mm-hmm. Donc, paf, ça passe. Même si elle bouge très bien. Après, tu sais que c'est pas un coup qui met KO quelqu'un. Ouais. Qui pratique, mais ouais, tu passes sa défense, tu touches. Bon, on va peut-être pas faire, on va dire qu'il se passe plusieurs tours comme ça, où tac tac tac, tu touches un petit peu tout ça. Et après, elle décide un petit peu plus de passer en attaque, donc même si elle a pas l'initiative, elle va attaquer. Ok. Donc t'as joué en premier, donc après à toi de voir ce que tu fais. Je vais plutôt passer en défense. Ok. Voir ce que ça donne. Défense, je dois faire un jeu? Non, c'est comme okay. T'as 3, tu enlèves 6 dés aussi. Ah ouais. C'est pareil, okay. En fait. Donc je vais jeter comme toi, c'était 5 dés, c'est ça? Oui. J'ai raté. Ah ouais, bien. C'est un peu chiant quand le MJ jette les dés. Bon, ça fait 3 succès, du coup, ouais, elle te touche bien. Bon, après, c'est toujours pareil avec les gants de boxe.
Même ça, un peu la puissance, tout ça, c'est pas. C'est pas des dégâts. Puis je pense que. Enfin, vous portez pas les coups comme des. Enfin, en tout cas, elle porte pas le coup comme une grosse brute non plus. Ouais. Voilà, elle essaye de montrer qu'elle sait se battre, mais pas non plus te foutre qu'elle. Quoi. Ok. Donc après, à toi de voir, est-ce que tu joues sur le temps pour essayer de la fatiguer, ou est-ce qu'à un moment donné tu. Ouais, je joue un petit peu sur le temps, voir. Si elle bouge beaucoup, si elle est... Elle va pas se fatiguer, de toute façon, parce qu'elle est beaucoup d'esquive. Donc, effectivement, parce que je vais pas jouer les dégâts, hein, donc au bout d'un moment, c'est vrai que tu commences à la fatiguer, tu penses que tu peux mettre le coup de... Pas de grâce, mais voilà, montrer que... La mettre dans un coin du ring, ou toi, en montrer un peu que tu prends le dessus, toi. Mm-hmm. Tout en restant courtois. Bah oui, enfin, je pense, non, c'était un peu le délire. C'est ça, voilà. Si montrer, voilà, je domine, mais je reste gentil, quoi. Pour montrer que c'est, voilà, c'était sympa, on s'est bien amusé, voilà. Mais c'est comme les Jaurès Carlo, quoi. Tu peux pas tester. Ok, bah du coup, tu peux faire un jet de dé, et elle va attaquer aussi, donc t'as juste moins 3 dés à ton attaque. Ok, donc là c'est 8. Et pense que si tu veux mettre une attaque totale, tu peux rajouter plus de dés, tu vois. Mais tu perds ta défense après. Ouais, mais non, je. Tu gardes ta défense. Je reste. Ouais, plus je reste. Allez, je me bats pas comme un bourrin non plus, donc je reste. Avec, comment dire, avec une certaine réserve. Ok. Bon. Mais pourquoi à chaque fois que quelqu'un relance un 10, c'est un 1 ? Je ne sais pas. Ah, ok, bon. Du coup, je fais son jet aussi. Du coup, ça va être le même que toi, je pense, non ? Ouais. Parce qu'il faudrait, c'est que tu marques un gros coup à 4 points, ou toi, un 4 succès pour vraiment... Elle fait 3, toujours. Donc ça va être, tiens, franchement, malgré le fait que tu sens que tu commences un peu à la pousser dans ses retranchements, elle continue à tenir, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est plutôt intéressant pour toi, t'as un peu trouvé, même si t'es pas à fond, tu vois, t'as trouvé un alter ego un peu féminin, tu vois, un mec. Ouais, ouais. Justement, une meuf qui tu peux un peu pratiquer par les combats et tout, quoi. Ouais, c'est cool. Parce que du coup, je sais pas, vous faites peut-être des petits commentaires, tu vois, peut-être vous récartez, vous faites un peu des commentaires et tout, genre, bah elle te fait, ouais, pas mal. Ouais, bah oui, c'est après, une ambiance un peu bon enfant. Hein. Ouais, voilà, après vous remettez en garde, tout ça. Puis en fait, c'est un peu Lucha qui va un peu arrêter le truc, genre, bon, moi aussi je veux m'entraîner, ça va bien là, mais. Jalouse. Elle rigole du coup. Puis du coup, Diana, le rond la garde, enfin, le combat, elle te salue dans son. Je sais pas si au Krav Maga il salue, enfin, en tout cas, elle. Non, absolument pas. Bah, peut-être qu'elle fait d'autres arts martiaux qui sont un peu plus respectueux de l'adversaire, du judo ou un truc comme ça. Et... Bah, c'est ça, en fait, le Krav Maga c'est même pas un art martial, c'est juste de l'autodéfense. D'accord. Bah, du coup, elle te salue, quitter le ring, elle a un petit peu les joues quand même qu'on chauffait, avec, même malgré la protection. Mais ouais, ouais. C'est pas. Tu vas pas défoncer, quoi. D'accord. Ouais. C'est normal, quoi. Ouais, ouais. Comme toi aussi, t'es un peu rouge aussi d'avoir essoufflé, tout ça, quoi. Normal. Bon, bah, du coup, vous finissez un peu le cours, je sais pas, peut-être après, vous faites un peu encore de cardio, je sais pas, tu fais peut-être un truc pour qu'elle se donne à fond, et comme ça, elle prend bien la crever, je sais pas. Comme tu veux, hein, après, hein. Tu peux faire une question philosophique, tu vois, comme tu veux finir le cours, quoi, c'est toi le. Soit le point. Si tu deviens le point, tu vaincras ton ennemi. Est-ce que tu fais un petit cours de moralité sur ces vidéos YouTube, tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Bah, ouais, je vais peut-être la prendre un peu à partie, un peu à l'écart de Diana. Juste pour lui dire. Mais... En essayant d'être sur un ton le plus, comment dire, le plus casuel possible, quoi, pas moralisateur ou quoi, juste lui dire, voilà, bah écoute, l'histoire tout à l'heure avec le gars, sa réflexion sur la danse, j'ai cru comprendre qu'il y a des vidéos qui ont un petit peu circulé,
comment tu le vis. Tous les gens qui renvoient la balle, tu sais. Non, mais, essayez de voir d'abord avant de jouer le allez. Plutôt que de jouer la carte du moralisateur, d'abord voir comment elle vit le fait qu'il y a. Voilà, est-ce qu'on lui fait souvent des réflexions, ce genre de choses. Voir un peu comment elle le ressent, ça, quoi. Essayer après d'appuyer là-dessus sur le fait que ce serait peut-être bien d'essayer d'éviter. Du coup, est-ce que je te donne un petit jet pour montrer que tu t'embourbes ? Je crois que t'as. Ouais, en social, Carlo, il est pas. Ouais, tu pourras mettre des petits points après, si tu veux. Bon, après, tu vas en mode doux, tout ça. Oui. Et puis, elle me connaît aussi. Hein. Elle sait bien que le tact, c'est pas spécialement mon truc. Elle te dit que finalement, au début, elle voyait un peu sa famille comme un carcan dans lequel elle pouvait pas s'exprimer artistiquement, tout ça. Mmh. Mais que finalement, c'est aussi une preuve de pouvoir faire ce qu'on a envie. Ça a du sens. Ça a du sens. Par contre, qu'elle te demande. En gros, s'il faut que je te demande de temps en temps de fermer des bouches, je te demanderai de fermer des bouches. Ok. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que d'une part, si tu me demandes trop souvent de fermer des bouches, ça va pas spécialement enterrer le truc. Ça va peut-être justement faire un peu plus causer les gens. Et étant donné que on sait qu'il y a, on va dire, une facette de ta personnalité que tu voudrais garder relativement secrète, comment c'est dire, chaud, soit, ouais, t'as le choix, soit tu décides de le vivre ouvertement, soit si tu veux le cacher, il va falloir peut-être mordre sur ta chic, quoi. Je veux dire, je comprends que c'est pas une situation facile, et je veux pas te dire ce que tu dois faire ou quoi, je veux juste te dire que quelle que soit la décision que tu prends, si tu veux le cacher ou le vivre de manière épanouie, il va falloir accepter qu'il y a des conséquences aux deux côtés. Tu sens que ça la fait réfléchir parce qu'elle te répond pas au tac au tac, tu vois, il y a un petit silence, genre elle joue un peu avec sa jambe, tu vois, elle caresse un peu au sol, elle se dandine un peu en réfléchissant. J'ajoute que, quel que soit ce que tu choisis, moi je te suis, hein, mais si t'as toujours besoin de couverture, il n'y a pas de problème, c'est juste que je sais que c'est pas une situation facile pour toi. Elle a l'air un peu émue, tu vois, de ce côté un peu tendre qu'elle ne connaissait pas finalement, parce qu'elle voyait un peu le Carlo qui fait ce qu'on lui dit, même si c'est un peu aussi ce que t'es en train de lui dire, que tu feras ce que tu dis, mais en même temps. Merci Carlo, c'est vraiment un bon conseil que tu me donnes là. Écoute, de rien. Puis du coup, elle a toujours un petit peu des gestes, genre un peu de te taper le pot, tout ça, même si c'est. Quand il n'y a personne, tu vois, c'est un peu. Ouais, oui. C'est pas un truc qu'une copine fait à son mec, tu vois, c'est un peu plus camaraderie, quoi. Donc, mm-hmm. Ouais. Et du coup. Elle part en souriant, tu sens qu'elle réfléchit, quoi. Elle a pas son petit air un peu de miss supérieure, au contraire. Elle réfléchit un peu à ce que tu lui as dit, quoi. Ah bah cool, c'est... cool. Puis du coup, après, vous allez... C'est le moment des douches, tu vois. Ouais. Le moment où Carlo se retrouve tout seul. Ouais, bah oui. Dans les douches. Bon, c'est un petit peu joyeux encore, hein, dans les douches. Ouais. Elle profite aussi des petits moments où justement elle peut être avec sa copine finalement parce que tu la couvres, quoi. Mmh, ouais. Et les deux compagnes sont dehors aussi, donc tu te retrouves un peu à attendre. Enfin, toi, tu n'as pas 15 ans non plus à te recoiffer, machin, donc ouais. Tu attends un peu et il y a une personne qui arrive en fait dans la salle de sport qui dénote complètement avec le lieu en fait. Est-ce qu'il s'agit d'une nonne? Ok. Tout le truc, what the fuck, c'est. Je révèle. Donc elle vient vers toi, très humble, les épaules un petit peu serrées, tu vois, les mains un petit peu jointes, c'est pour ça que j'ai mis cette image très, très douce, quoi. C'est une personne qui t'inspire beaucoup de douceur dans la façon dont elle se place, dont elle regarde, avec ses yeux bleus et ses cheveux blonds, tu vois, c'est vraiment la douceur incarnée. Elle s'avance vers toi et vous êtes Carlo. Oui, c'est moi. C'est ma mère supérieure qui m'envoie
Je lui ai promis de vous remettre ça, c'est pour vous. Elle m'a dit que vous saurez de quoi il s'agit. Je suis sœur Alessandra. Elle se présente quand même, c'est vrai que j'ai marqué le nom, mais elle se présente. Oui, oui, bah, enchantée. Et, du coup, elle te remet ça. C'est une dent. D'accord, ça a rapport avec la partie de RP de l'avant-hier. Avec l'ours. T'avais battu, toi, sur le ring, en fait, dans un combat clandestin, un mec qui s'appelait l'ours de Sibérie. Ah oui, oui. Tu avais décroché une dent et t'avais eu l'impression bizarre que sa dent avait repoussé, enfin, un truc vraiment bizarre. Oui, 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 oui. Dans la rage du combat. Donc elle te donne ça en au nom de sa mère supérieure, qui s'appelle Maria, qui te dit absolument rien. Ouais. Et... en gros, comme je t'ai dit, voilà, on m'a dit de vous remettre ça, que vous comprendrez de quoi il s'agit. Donc elle te regarde pour voir si justement tu sais de quoi il s'agit ou si t'es un petit peu dans le flou quand même, parce qu'elle a l'air assez curieuse quand même de la mission qu'on lui a confiée. Quoi. Bah, je suis un peu dans le flou d'une part parce que c'est quand même un souvenir qui date un petit peu, et surtout, c'est un combat clandestin contre un gros bourrin et je comprends pas le rapport avec une bonne sœur. Donc je la regarde et je lui dis je crois comprendre la référence, mais pourquoi est-ce que votre mère supérieure vous a envoyé me donner ça? Est-ce que vous en savez plus? Sœur Maria était une femme intelligente et mystérieuse. Elle enquêtait sur... Elle le dit pas, tu vois. Genre, elle laisse un petit peu une espèce de silence. Et elle m'a dit de m'adresser à vous, de vous trouver, puisqu'elle avait... De son vivant, elle n'a pas réussi à vous retrouver. Ce que je sais, c'est qu'elle elle souhaitait vous parler... Qu'il y a du bon en chacun et qu'il faut choisir sa voie, qu'un homme qui est capable de grandes forces, d'une force aussi impressionnante que la vôtre, devrait la mettre au service du bien. Et elle m'a dit que vous devriez comprendre de quoi il s'agit. Que vous avez déjà fait face au mal. Tu sais, genre, elle le dit, ça fait un peu genre... Ouais, elle fait un signe de croix en disant ça. Ouais, c'est ça, tu vois, j'ai du sel et tout, la tête. Alors, je la regarde un petit peu interloqué. Oui, je comprends. Et puis je regarde la dent, et je la regarde elle, mais d'où est-ce où est-ce qu'elle a trouvé ça? Et comment vous m'avez retrouvé? Nicole va répondre à ces deux questions. Et tellement de questions. Ouais. Je pense qu'elle te l'a donné dans un petit écrin de bois, quelque chose, puis elle l'a ouvert, tu vois, en te la remettant. Ouais. Sœur Maria l'a retrouvée sous un ring. Elle enquêtait justement contre un homme dont elle soupçonne. Je sais pas comment ils disent, religieux, tu vois, pas, je vais pas dire possédé ou sous l'emprise du mal, tu vois, elle m'a dit l'emprise du mal. Et elle enquêtait là-dessus, elle a trouvé ça sous le ring. Toi, tu te souviens qu'il y avait une femme avec les cheveux roux d'un certain âge qui n'était pas partie dans la panique après la fin du combat, qui t'avait regardé assez longuement en fait avant de partir. Oui, oui, oui. Oui, du coup, je me demande est-ce que votre mère supérieure était rousse? Oh, bah, du coup, voilà. elle dit oui, oui. Sœur Maria avait une chevelure de feu. Toujours à parler en métaphore, hein, ce genre de choses. je ne sais pas exactement comment je vous ai retrouvé. Je pense que le Tout-Puissant a guidé mes pas. En gros, la liste, elle a fait toutes les salles de boxe. Deus ex machina, tout ça. J'ai pris à cœur de m'acquitter de la dernière mission que m'a confiée. Alors je regarde à nouveau la dent et puis je la regarde elle et je dis mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Je pense que Sœur Maria
vous voulez à ses côtés pour... Ah, mais là, ça va pas être possible. Elle pense qu'il y a du bon en chacun et que vous êtes égaré. Sœur Maria est maintenant partie. Je ne fais que tenir ma promesse. Bon, je prends un air, l'air le plus, le plus révérencieux possible. je dis je vous remercie, je vais réfléchir à tout ça, à tout ce que, la signification de tout ce que vous venez de me dire. Tu sais, enfin, je suis italien, mine de rien, donc bon, tout ce qui est religion et tout ça, c'est quand même important, quoi. Elle est très compréhensible, hein, donc elle t'écoute. Elle te remet un autre objet. Tenez, je souhaiterais vous remettre la croix de Sœur Maria. Elle l'a protégée pendant longtemps du mal. Je pense que elle serait heureuse que quelqu'un qui justement est en capacité d'aider les faibles puis porte sa croix aussi. Donc elle te la remet en t'égrant, donc je sais pas si tu te penches pour l'avoir autour. Mais si je me okay. Je me penche. Du coup elle te la remet, c'est une croix en argent plutôt jolie, quoi. C'est pas non plus un truc qui fait 3 tonnes, tu vois. C'est pas genre comment il s'appelle le mec à plein de chaînes en or. Non, c'est un petit truc bon, pour le coup, c'est peut-être un peu féminin parce que c'était la sœur Maria, mais après, une croix reste une croix aussi. Donc, Ouais, tu peux toujours la mettre en dessous d'une chemise. Ouais, c'est ça. Je la remercie avec révérence, comme on parle à une religieuse, quoi. Elle te salue et merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de prendre. Enfin voilà, je sais pas comment dire, quoi. Elle est plutôt émue un petit peu d'avoir réussi à te retrouver pour. Du coup, elle te salue, elle dit voilà, si vous voulez me rencontrer à nouveau, peut-être ce sera à vous cette fois de me retrouver. Ça joue un petit peu, comme tu dis, le côté un peu mystérieux, tout ça. Je la remercie et je lui dis voilà, enfin je... Ah, merci d'avoir fait les démarches pour me retrouver. Je suis sûr que Mère Maria, c'est ça ? Ouais, enfin, Sœur Maria. Sœur Maria, pardon. Je suis sûr que Sœur Maria est très fière de vous là où elle est. Elle regarde le ciel, les mains jointes un petit peu, avec un peu de lumière, tu sais, genre le soleil qui passe à travers la salle de sport. Mais j'en suis certaine. Je suis sûre que c'est elle qui a guidé mes pas. Elle est un petit peu timide, donc tu sens que c'est un petit peu des efforts quand même de venir parler à quelqu'un qui fait 2 mètres dans un lieu de violence et qui a 5 en intimidation, ouais, et tout. C'est ça. Du coup elle te salue et elle s'en va comme elle est venue par une petite porte que personne n'utilise. Ok. Puis tu te retrouves sur ton banc à attendre les meufs avec une nouvelle croix autour du cou. en réfléchissant à mon avenir. Voilà. À quoi tu penses d'ailleurs ? Est-ce que c'est un petit peu... est-ce que c'est un chamboulé un petit peu Carlo, tu vois, quelque part ? Il n'a pas eu de chance, il était dans la rue tout de suite, très jeune, il a dû se faire un nom et survivre de ses poings. Ça le fait un peu réfléchir sur le fait que... Allez, c'est un bon gars, hein, en fait, comme le montre sa relation avec Lucia et tout. Il essaye de, autant que possible, d'être quelqu'un de gentil. Et voilà, c'est ça. C'est un mec qui a grandi dans la rue, qui est dans un milieu pas très jojo, hein. Mais il fait son possible pour être. Allez. Pour être gentil à sa manière et pour essayer de faire le bien autant que possible, on va dire en dehors du fait qu'il torture des gens. Mais... Ouais, mais c'est ça, elle a une face un peu. Elle a une vue à l'intérieur qui est intéressante à jouer, je pense. Ouais, mais c'est. En fait,
il torture les gens, pas parce qu'il aime ça, mais parce qu'il est bon là-dedans et qu'on lui demande et que à chaque fois, bah, c'est entre guillemets pour une bonne raison. Enfin, pour une bonne raison, tu vois ce que je veux dire. C'est jamais gratuit, quoi. Voilà, c'est jamais gratuit. Genre, il y a le mec, le mec qui a attaqué le restaurant. Il y avait avant, c'était pour quelle raison ? C'était pas lié à Lucia, justement. Je ne sais plus. Le premier qu'on avait torturé. Enfin, qu'on n'avait même pas vraiment torturé. Ah non, c'était Johnny. Johnny c'était pour le tableau, c'est avec le tableau et le chat et tout ça. Enfin, à chaque fois, il y a une raison. Et une raison qui fait que Carlo considère que le fait de torturer quelqu'un, c'est, effectivement, c'est pas bien, mais c'est un prix à payer pour faire le bien, quoi. Ouais, un peu ça. Comme les croisades, quoi. C'est ça qui est intéressant sur ce personnage. Quoi. Bah, je trouve aussi. Donc voilà, ça va le mener à réfléchir un peu plus. T'as l'impression que c'est le personnage un peu le plus humain des trois, finalement. Puisque c'est celui qui se questionne un petit peu. Enfin, t'as un moi profond, quoi. Tu te questionnes, t'es bienveillant, en fait, envers tous les autres personnages qui entourent le tien. Donc c'est super intéressant. Donc. Bah ouais, c'est ça. Je pense que cette rencontre-là, ça a peut-être, enfin, Carlo essayait déjà de faire le bien à son échelle, entre guillemets, et ça le conforte un peu dans cet esprit-là, et ça va peut-être avoir un impact sur la manière dont il va appréhender les trucs à l'avenir. Non, mais c'est intéressant, quoi. Je voulais faire un petit peu un personnage mystique, un peu justement, qui pourrait ouvrir d'autres voies pour Carlo, quoi. Et c'est sûrement ce que Sœur Maria a vu de ton personnage, puisque quand on avait joué la scène du ring, mm-hmm. ils avaient ensuite... c'était un peu vengé sur ton entraîneur. Et oui. Tu m'avais décrit comme quoi tu le regardais, mais vraiment en mode... t'as compris que c'était impuissant à ce moment-là, qu'en plus t'étais bien, bien défoncé du combat, et t'as eu ce regard vers ton entraîneur d'empathie, en fait. Que... Oui. Et je pense que, enfin, moi j'ai joué là-dessus en fait par rapport à Sœur Maria, c'est pour ça que je te raconte un peu la scène aussi, parce que c'est plutôt clair pour ton personnage, et il s'en souvient bien maintenant. Du coup, là, toujours ce côté un peu brut et en même temps tendre, c'est intéressant. Ouais, je trouve aussi que c'est le personnage le plus intéressant des trois, en fait. Faut pas le dire aux autres. Non, non, bah non, mais bon, c'est peut-être aussi parce que c'est le mien que je lui donne aussi un peu la couleur que. Qui te plaît, ouais. Voilà. C'est normal. Moi, j'aime pas tellement les personnages vraiment 100% dans leur truc, avec une seule facette. C'est moi, j'ai eu beaucoup mal à faire des pré-tirés parce que je me suis dit, ils vont pas s'attacher à leur personnage, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais laissé un petit peu du BG à jouer un peu au hasard, à tirer au sort et tout. Puis en fait, vous avez vraiment pris en main vos personnages, vous les êtes complètement appropriés, donc c'était super réussi pour moi. Ouais, mais donc, franchement, je suis totalement d'accord. Je trouve, j'ai le même constat, en fait. donc du coup, les Finnois, après, t'es un petit peu en mode introspection, sur ton banc, et les filles ressortent, Zelda vous fait un petit signe, et puis elle part en première, et puis elle va vous laisser... genre par une autre porte de la salle de sport, parce que c'est un bâtiment, je pense qu'il y a moyen de rejoindre ensuite ailleurs, quoi. Donc, ouais. Pas vous sortir en même temps que vous. Bon, ça, c'est du non-dit, hein, c'est clairement ton personnage, je le capte tout de suite, quoi. Ouais. Et du coup, Lucia semble heureuse, vient vers toi, et comme elle fait à son habitude, tu sais, elle te tapote un peu toujours, et là, elle tapote, fait « Ah !» Ah, je crois que j'ai tapé trop fort dans le sac de ça, ça me fait mal. T'as mal où ? Bah, tout le monde, ça, je sais pas, ça m'a fait mal dans la main. Bah, je regarde, je vois quelque chose. Non, elle est pas rouge, elle est pas. Rien, quoi que. Non, mais ça part, c'est parti. Tu vois, elle bouge un peu sa main. Un peu bizarre, quoi. Bon, bizarre. Parce que je vois rien. T'as pas l'air d'avoir tapé si fort que ça. En la taquinant un petit peu, ouais, comme ça. Ça. Bon, du coup, vous rentrez, du coup, après, mm-hmm. T'as les larbins, le mec, il baisse tellement les yeux quand tu passes, quoi. Bizarrement, plus personne ne fait de réflexion, hein. Tu penses que t'as plus besoin de fermer des bouches. ça devrait... Tu sais, je les regarde quand même avec un petit regard, allez, pas le gros regard de psychopathe, mais le regard un peu, fais quand même vraiment gaffe à ce que tu vas faire. Ouais. Est-ce que t'as une façon de marcher à côté du chat pour vraiment montrer que c'est ta meuf maintenant, ou que t'es juste un peu très proche d'elle, quoi?
T'affirmes, tu vois, vraiment. J'affirme, mais j'affirme, on va dire, mais je lui jette un coup d'œil pour voir si elle a pas l'air mal à l'aise ou si elle me fait pas un signe, c'est trop, ou je sais pas. Ah ouais, non, elle, au contraire, elle joue le jeu, quoi, clairement. Ok. Donc, je sais pas, tu peux peut-être sa main dans son dos pour l'ouvrir la porte, tu vois, des trucs un, ouais, peu, ouais, voilà. Un peu classiques. Ok, non, du tout, elle est plutôt contente, elle joue le jeu. Elle commence un petit peu à te dire des mots doux dans la voiture pour un petit peu asseoir le truc, quoi. Mm-hmm. Du coup, je propose de faire la pause là, parce que peut-être qu'il y a un autre personnage qui va t'appeler à ce moment-là ou tout ça. Ok, pas de soucis. J'espère que tu t'es bien amusé, même si c'était un peu n'importe quoi. Ouais, c'était cool. Non, c'était sympa, j'aime bien. C'était inattendu, on va dire. Ouais, bon, tant mieux. J'ai un peu tendance à mettre beaucoup de personnages féminins, parce que je trouve ça sympa, justement, avec ton mec, Keiko, qui est badass et tout, justement. La petite fille de riche, la meuf qui se débrouille en arts martiaux, la petite sœur, je trouve ça marrant. Ah non, c'est cool, je trouve que, en plus, c'est des persos bien amenés et tout, donc. Non, j'aime bien. Ok. Maintenant, je comprends pourquoi tu rigolais un petit peu avant. Tu m'étonnes. Non, mais c'est chaud, parce que tu peux voir des trucs, tu te dis, putain, comment ça va passer, tu vois, tu sais pas trop, quoi. Bah ouais, ouais. Surtout le coup de la voiture au début, quoi, je me suis dit, putain. Ouais. Parce que c'est sympa. Toi, tu la découvres, Lucia, quand il n'y a pas sa famille, en fait, tu vois. Bah oui. Donc, t'apprends plein de choses sur elle et tout, et il y a vraiment une confiance qui se crée, quoi, c'est intéressant. C'est intéressant de la découvrir un peu comme ça aussi, parce que par exemple, le coup qu'elle me demande de fermer les bouches, je m'attendais tellement pas à ça de sa part, quoi. J'attendais plutôt à ce qu'elle fonde en larmes, tu vois. C'était un peu cliché, mais. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est ça qui est marrant avec ce personnage-là, c'est pour ça que. Vu que tu connais son secret, tu vois à quel point c'est une comédienne aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai.